Allez, salut tout le monde, c'est Taz Récupération. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 111 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Breath of the Wild à mode normal. J'espère que vous allez bien. Les amis, pour ma part, je vais très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 111. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait continué nos photos. Hein. On avait pas fini, on avait récupéré pas mal de photos. Enfin, on avait vraiment pris en photo énormément de choses. Aujourd'hui, on va continuer les photos, bien sûr. Donc, il manque encore pas mal de photos à prendre. Bien sûr que non, on va pas continuer les photos. Hein, c'était pour vous faire marcher. C'était pour vous faire marcher. Vous en avez pour 4 ou 5 épisodes. Promis, aujourd'hui, on va s'attaquer à du nouveau. Hein, on va continuer. Là, du coup, on s'était arrêté il y a peut-être 5 ou 6 épisodes de cela. En termes d'exploration, alors au cas où en termes d'exploration, qu'on se souvienne, on s'était arrêté au niveau du laboratoire antique, on peut même voir du coup au niveau des empreintes. Donc ça serait bien d'explorer tout simplement cette grande zone, donc on va carrément se téléporter là, ça sera peut-être plus efficace. Et on va tenter d'explorer cette grande zone tout simplement. Et puis après, bah écoutez, là c'est à nouveau reparti pour du coup les phases d'exploration, en même temps qu'on va récupérer quand même quelques petites photos en même temps, hein, évidemment, parce qu'on est loin quand même d'avoir fini. Alors, vous avez vu qu'en bas également le stat a changé. Hein, en bas, c'est vrai que voilà, je voulais pas mentionner, mais le stat a changé. J'ai enlevé les choses qui vraiment étaient pas nécessaires. Enfin, évidemment, tout sera fait à 100%. Hein, donc, je serai obligé de les faire, mais il n'y a pas de souci. Mais on va dire les choses qui sont pas primordiales, je les ai enlevées. Comme ça libère encore plus d'espace et tout ça. Comme ça, on est tranquille. Oh, qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, jouer jusqu'en. Non, qu'est-ce que tu veux, Rosalie? Oui, tu fais quoi? Je fais le gay. Alors, tu l'as racheté à la maison? Oui. Propriétaire si jeune, ouais. Oh, ben c'est rien. Alors, quoi? Vous devez bientôt quitter le village. Pourquoi? À cause de la mutation. La mutation? Serachi est associé, veut étendre ses activités. C'est pour ça. Merveilleux! Une sacrée chance. Où tu vas aller? Au nord du domaine Zora, la région d'Akala. Ça a l'air loin. Ben, ouais. Bonne chance. Bon, ben, quand il faut me remettre en route. Tu peux me rendre visite en Akala à l'occasion si t'as envie. Bon, à la prochaine. C'est triste. Une affaire en plein essor. Gorzeli, le charpentier vétéran de Serraillé, est associé, a été envoyé en Akala pour travailler à l'expansion de l'entreprise. La région d'Akala se situe loin au nord du village des limites. Si vous passez dans le coin, n'oubliez pas d'aller le saluer. Il n'y a pas de souci. Bon, ben, écoutez, hein, on va dormir jusqu'au matin, comme ça serait bien d'explorer la région, sachant que non, et oui, il faut donner également l'arme aux petits. Il faut quand même donner, il faut pas oublier. Et oui, il faut quand même faire des quêtes secondaires. Oh putain, la pluie, non. Non. Arrêtez avec la pluie. Bah, du coup, les enfants ne joueront pas dehors, j'imagine. Bah oui. C'est entièrement logique. Les enfants, ils seront pas dehors. Mais putain, ils sont où de base, les enfants? Oh, j'ai envie de me tabasser les couilles. Bon, on va redormir. De toute façon, il n'y a pas tellement de choix. J'espère que le feu s'est pas éteint. Non, il était sous un arbre, donc il va pas s'éteindre. Dans la logique des choses, il est pas censé s'éteindre. On va dormir jusqu'au midi, du coup. Hein. Il n'y a pas trop le choix. Ok, on va quand même le voir vu qu'on a parlé à l'autre. Ah non, c'est pas le même. Ah si, c'est le même. Alors, qu'est-ce que vous me dites tout? Bonjour. Ben le gros, le travail est terminé. Une petite pause bien méritée me fera plus grand bien. Mais qu'est-ce que ce regard? On dirait que tu n'es pas d'accord avec moi. Hé, laisse-moi deviner. Tu as acheté la maison, mais elle est toute vide. Pas de problème, je vois dans tes yeux que tu es un garçon qui en veut. Tu me rappelles, moi, quand j'étais plus jeune. Et donc, je peux fabriquer des meubles et d'aménagements extérieurs qui valent 5000 rubis limités. Mais pour toi, ça sera seulement 100 rubis. Mais moi, quand tu auras rassemblé l'argent. Ok. Cette pluie, qu'elle plaît. Ah, tiens. C'est vrai. Félicitations pour cette belle achat. N'empêche, tu parles d'une surprise. Ça se demandait où tu as pu trouver un tel paquet de rubis. En tout cas, grâce... La banque en Suisse. En tout cas, grâce à ton achat impulsif, je vais toucher un joli petit bonus. On va aller fêter ça au restaurant avec ma fiancée. On trinquera à ta santé.
Oh, merci, c'est gentil. Ok, bon, bah, du coup, faudra réaménager. On a combien de rubis? On en a loin, mais bien loin des, de l'argent requis. Jusqu'au midi. Comme ça, en même temps, s'il peut y avoir les enfants qui jouent, ça serait le top. Parce qu'il fallait lui donner l'épée de voyageur. Ah, là, c'est mieux. Là, on discute. Allez. Ok. Il y a également, en termes de 100%, il faut parler à tous les PNJ. C'est lequel qui... Ah ah! Youhou! Moi, j'aime bien courir, parce que j'aime bien courir. Le truc, c'est que j'adore... Alors, il y a... Oh, mais il y en a trop. Au revoir. C'est pas toi que je dois parler, alors. Ethan, salut! Oh! Hein? Je reconnais ce truc, ça serait pas une épée des voyageurs? Chouette, chouette! Je veux voir, je veux voir! Bien sûr! Fais attention, petit. Je sais pas ce qu'ils ont, les enfants, avec les armes dans ce jeu. Entre Toilette Princesse avec Fenrir et tout ça, et là. C'est dément de voir un truc aussi bien pour de vrai. Mon grand-père dans le ciel sera sûrement content quand je lui aurai raconté ça. Merci! Tiens, petit cadeau en échange, d'être sympa avec moi. Rubis rouge, 20 rubis. Si on a l'eau éclate, vous fait chaud au cœur. Éclatante, vous fait chaud au cœur. Vas-y, prends. Mon grand-père m'a dit de l'offrir et de la personne qui me montrera des belles armes. Alors, tu sais ce que j'aimerais bien que tu me montres ensuite? Voyons voir. Peut-être. Ou sinon. Oh, je sais. Dis-moi, t'as déjà entendu parler de la baguette de feu? Alors, quand mon grand-père était jeune, il a essayé de trouver cette arme-là. Alors, s'il te plaît, alors si tu en trouves, il faut que tu me la montres obligé. Ben, je crois que j'en ai une, non? Il me semble que j'en ai une baguette de feu, j'en ai une. Parfait. Salut. Oh. Hein? Je le reconnais, ce truc. Ça serait pas une baguette de feu? T'as tenu ta promesse. Montre-moi, montre-moi. Mais bien sûr. Oh, c'est encore mieux en vrai. Il faut absolument que j'en parle à mon grand-père dans le ciel. Merci pour le spectacle, c'est cool. Tiens, prends ça, c'est un cadeau. Rubis rouge, 20 rubis, on a l'eau éclatant. Écarlate, vous fait chaud au cœur plutôt, pas éclatant, écarlate. Ça me vient de mon grand-père, il m'a dit de l'offrir à la personne qui me montrerait des super armes. Alors tu vois, c'est toi cette personne. Alors la prochaine arme que j'aimerais voir, laquelle? Voyons voir. Ça y est, celle-là. Dis-moi, t'as déjà entendu parler de la Batmobile? Alors, grand-père disait qu'on trouvait pas ce genre d'armes dans le coin. Alors, si tu en trouves une, il faut absolument que tu me le montres. Oh, t'es sérieux? J'en avais obtenu... Attendez. Oh, oh, c'est quelle chance, ça! Je savais même pas qu'il allait me demander ça. Salut. Oh, hein? Je le reconnais, ce truc, ça serait pas une Batmobile? T'as tenu ta promesse. Montre-moi, montre-moi. Bien sûr. Allez, sors ta grosse battue, voilà. La grosse Bertha. Waouh, ça me rend tout fou tellement que c'est chouette. Merci. Tiens, petit cadeau en échange d'être sympa avec moi. Rubis violet, 50 rubis. Sa lueur violacée illumine votre visage. Vas-y, prends. Mon grand-père m'a dit de l'offrir à la personne qui me montrerait des belles armes. Alors, tu sais ce que j'aimerais bien que tu me montres ensuite. Voyons voir. Peut-être. Ou sinon. Oh, je sais. Dis-moi, t'as déjà entendu parler de l'arc à double encoche? Alors, grand-père disait qu'on n'en trouvait pas ce genre d'armes dans le coin. J'arrive, les amis. Voilà, me revoilà. C'est parce que, enfin, je pense que j'aurais même pas Ellipsa parce que c'était pas utile. D'Ellipsa, c'est juste que, vu qu'en fait, ma mère est au magasin, donc elle m'a demandé de ce que je voulais. Vu que je travaillais tout ça avant et je pouvais pas. Et donc là, voilà, je filme en même temps. Alors, grand-père disait qu'on ne trouvait pas ce genre d'armes dans le coin. Alors, si tu en trouves une, il faut absolument que tu me la montres. Un arc, un double encoche? Arc de chevalier. Qu'est-ce qu'ils font? Jette! Viens là! Je veux pas que tu aboies. Ça non. Alors, l'arc à double encoche. Donc, je crois qu'on l'a jamais pris en photo. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on va pouvoir l'avoir, cette arme-là. Mais au moins, on l'a. Au moins, on a la quête. Donc, on est tranquille. Ça va, on a quand même bien avancé. Voilà. Ah, un arc à double encoche, on a vraiment bien avancé. Allez, du coup! Du coup, direction cette grosse montagne pour un petit peu voir la suite des événements. Alors, merci.
C'était peut-être pas une bonne idée de faire ça. Je sens que ça va être trop tard. On peut se téléporter. Ça va. On est à côté. On va éviter de perdre des dégâts pour rien. Me revoilà, désolé pour cet épisode les amis, c'est que là il y a la poste qui est passée pour mon colis. Donc c'est bon, j'ai réussi même mes deux colis. Donc ouais, c'est de façon aléatoire hein, des fois même si jamais qu'elle passe à... C'est quelle heure? Jamais elle passe à 12h04. D'habitude elle passe à 13h30, c'est ça qui m'a ultra étonné. Donc écoutez, voilà quoi. Non. Pas y arriver hein. Oh là là, mais putain. Ça, il faudrait qu'il la corrige cette barre d'endurance dans le prochain Breath of the Wild, parce que j'en peux plus. C'est vraiment la pire chose ever, quoi. C'est chiant à mourir, ce machin. Alors du coup, on va pouvoir explorer une toute nouvelle contrée, hein. Une toute nouvelle contrée. Alors, oui, bon, c'est bien gentil, mais... est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Je sais pas, donc on va aller quand même explorer. Alors, il y a quand même tout là-haut à explorer, donc à mon avis, si. Ah non, là-haut, on est déjà été... Ouais, là-haut, j'ai déjà été, moi, là-bas. Au fond, c'était là où il y avait des fées, il me semble. Ok. Ouais, parce que là, on monte, mais... est-ce que j'ai vraiment été là-bas? Si, j'ai vraiment été là-bas. Hein. J'ai vraiment été là-bas. Bon, bah, écoutez, on va monter là-dessus. Là maintenant on est à la recherche de possibles noix Korogu qu'on n'a pas obtenu depuis très très longtemps. Hein, ça faisait très longtemps qu'on n'a pas eu l'animation. Gohou, tu m'as trouvé une noix Korogu, cette punaise que vous a donné un Korogu, c'est un peu fort, mais il paraît que trouver beaucoup, porte très bonheur. À la revoyure, à la revoyure. Donc ouais, ça faisait très longtemps, donc ça serait bien de l'avoir, sachant qu'il va bientôt pleuvoir, c'est super jeune. C'est ce jeu, il me fatigue au niveau de la pluie, je vous jure, ça me fatigue. Alors, bon, il n'y a rien de spécial par contre ici, hein. C'est bien gentil d'être monté au moins jusqu'ici, mais là... Il n'y a vraiment pas grand-chose. Ça servira à rien de couper par là, parce que de toute façon, ce côté-là, il n'y a rien. Donc peut-être ce côté-là, et encore, je suis même pas sûr. Non, y a rien du tout, hein. Y a rien du tout. Sachant qu'il me faut également des cœurs antiques. Eh oui. Il me faut des cœurs antiques pour... donc, il me faut des gardiens qui marchent. Enfin, qui sont... Oui, qui marchent, si vous voulez. Donc, pour obtenir l'autre module à la con, là. Il m'en faut, je crois, 3, hein, il me semble. On en a un seul, il me semble, non? Ouais, on en a un seul. Je crois qu'il en faut 3. Donc, quand on aura les 3, bah, on ira. Hein. Ouais, bon, finalement, en fait, il n'y a rien du tout, quoi. C'est un peu... C'est vraiment très pauvre, ici. Il n'y a pas de noix Korogu. Il n'y a rien du tout. C'est bien pauvre. Non, là on est déjà été donc c'est pas la peine. Bon bah du coup on va pouvoir passer à une autre phase d'exploration hein. Écoutez, alors on va partir maintenant du côté plage. Voilà, on va suivre le petit chemin et on va tenter d'explorer ça. Alors par contre il faut pas oublier qu'on doit prendre des choses en photo quand on en trouvera. Enfin, si on trouve des choses en photo qu'on les prenne. Ça on l'avait déjà exploré, on se souvient qu'on avait déjà exploré ce côté là. Donc voilà, hein, on peut même voir que on y est même passé. Et on avait même obtenu une noix Korogu. Donc ça serait le top d'obtenir le d'autres noix Korogu. Parce que là, le souci, c'est qu'il nous en manque quand même pas mal. Les aigrettes. Ouais, c'est des aigrettes bleues, quoi. Ok. Mm-hmm. Alors, du coup, on va pouvoir continuer notre descente. Allez, ça, je les ai déjà obtenus. Les billes de piment.
Les bidules piment. Bon. Eh ben. C'est pas évident d'explorer ces, cette banquise. Hein. Surtout que. Avec ce qu'il y a. Oh, une noix korogu, putain de merde. Alors attendez, c'est bien gentil la noix korogu, mais on commence par où là? On commence par où? Attendez, qu'on se fixe un truc. Genre par exemple, on va se fixer là où il y a le chemin, donc avant le chemin, donc ce côté-là. Avant le chemin jusqu'à là. Tout ce côté-là. Et après, on se fixera après le chemin, tout ce côté-là. Voilà, comme ça au moins, parce que si on commence à s'éparpiller de partout et tout, on va jamais y arriver. Hein, Donc, ouais. Oh putain, une noix korogu, oh. Vous avez à y croire, putain, par contre, le nombre de rochers. Alors, est-ce qu'on peut y arriver quand même à le viser d'ici? J'ai un doute, mais on va quand même... non, je pense que là, c'est un peu mort. Hein. Là, c'est un petit peu mort, sachant que, bon, je l'ai lâché involontairement, mais je sens que c'est un peu mort, donc je pense que ça, c'est pas là pour rien. Donc, on va peut-être mettre, vous voyez, ça comme ça, voilà, et ça comme ça. Comme ça, on aura juste à sauter, vous voyez, à faire des petites jumps. Par contre, si y a... T'es jamais pris en photo, toi? Crabe Armo. Sauvegarder. L'entrée est écrite dans l'encyclopédie Crab Armo. Est-ce que il n'y a pas meilleure photo? Ouais, il me regarde pas là, le Crab Armo. Écoute-toi. Voilà, comme ça. On peut pas faire mieux. Merci. Crabe Armo vainqueur, on dit que sa chair contient des nutriments qui rendent sa carapace plus solide que celle des autres crabes. Cuisinez-la pour que la préparation augmente la défense. Ok. Là-bas, il y a un Lesalphos. Attention, ça vient. Il vient vers moi. Là-bas, on a un sanctuaire. Oh, bon Dieu. Oh, le nombre d'oiseaux, par contre. On a un truc au milieu. Là, je sais pas s'il y a des coffres ou quoi. Ça va être ultra galère. Donc, dès qu'on aura un radeau, il y aura une grosse partie d'exploration à faire. Super, magnifique. On peut pas sauter en fait avec le avec la pierre. Ah si, on peut sauter. Pourquoi il a pas voulu sauter ce connard? Ah d'accord. En fait, on peut pas sauter. On peut pas sauter de si loin en fait. Donc on est vraiment obligé d'en créer trois quoi. Donc un vraiment très proche de là, vous voyez. Attendez un petit peu. À la limite, voilà, à la limite. Un autre, lui on va le casser. Un autre là. Ça nous a fait deux. Et peut-être, en cas de sécurité, un autre là. Voilà. Normalement, c'est bon, on va pouvoir y arriver. On est à 20 minutes. Ça serait bien de s'arrêter sur une noix korogu. Comme ça, la fois prochaine, on aura une grosse partie exploration à faire. Bon, bah écoutez. Une, deux et trois. Allez. Ouais, mais là, le... c'est bien. Non, non, mais non. Mais je lance, mais putain, j'appuie sur le bouton. Ah mais je confonds, oh là là, et en plus c'est bien, je vais me faire avoir par ce putain d'octo à la con. C'est vraiment débile ce machin, putain. Peut-être d'ici. J'appuie, mais non, je me suis pas trompé, j'appuie sur le bouton. Oh, ça c'est en train de me rendre fou, c'est en train de me rendre fou. Super, j'adore ma vie, c'est bien. Bon, t'es mort. Draco et Pieux Boko. Redoublez ce prudent si vous tombez sur un Bokobin équipé de cette arme conçue pour que les dents de la mâchoire attachée au fer s'enfoncent dans la chair de l'ennemi. Ouais, mais on a plus de vie. Magnifique, on a plus de vie. Putain. Et c'est vrai qu'il faut également qu'on fasse des plats. Hein. Là, les plats, ça devient vraiment très primordial, quoi. Mais dégage, putain! Non! Oh! Hors de question, là. C'est bon, là? Vous allez rater casser les couilles? Merci.
Ah, j'ai juré, oh, ils m'ont cassé les couilles. Oh. Attendez, la photo de ce putain de cette grosse Bertha. Voilà. L'entrée est écrite dans l'encyclopédie Draco et puis beaucoup. On peut pas faire mieux en termes de photos là, honnêtement. Bon, cette fois-ci, on va y arriver. Pourtant, j'appuie sur le bouton, je comprends pas. J'appuie sur le bon bouton, j'appuie sur le R, quoi, sur le petit truc, pas le gros machette, mais enfin, pas la grosse gâchette, mais la petite gâchette. Eh ben putain! Eh ben enfin! Putain! Oh. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé dans Corgou, cette petite d'œuvre que vous avez dans Corgou, c'est un peu fort, mais il paraît qu'on trouvait beaucoup. Portrait bonheur à la revoyure! Bon, ça nous en fait une! Allez, go, on s'arrête là! On s'arrête là, par contre, avant de s'arrêter là, je suis pour aller chercher ça. T'es sérieux là? Merci. Alors. Ah super. Super quoi. Je fais comment là? Bordeaux choc taureau. Y'a que ça? D'accord, il y avait juste que ça quoi. Oh non, il y a un autre truc là. Turbo Max, 3 cœurs, ce coquillage qu'on trouve souvent sur les plages est si nutritif que les préparations qui en contiennent rendent plus que le nombre maximum de cœurs. Allez, on va pouvoir s'arrêter là. On va revenir là où on s'était arrêté là-bas. Hein. Et du coup, bah, la prochaine fois, on continuera l'exploration hein, de cette zone-là, de cette immense zone d'ailleurs. On est vraiment très loin d'avoir fini, sachant que je ne sais même pas s'il y a des coffres là-dedans. Honnêtement, je pense que... Bah déjà, on en voit un. Je pense que j'irai même carrément me spoil sur Internet au niveau des coffres ici, parce que si on doit explorer... Ouais, tout ce qu'on doit... Vraiment, si on doit explorer tout ça, on en a pour 100 ans. Hein. Je préfère vous le dire, donc je pense qu'on ira aller voir une solution sur Internet. J'irai voir une solution sur Internet pour savoir s'il y a des coffres ou pas. Tu arrives le lézal. Allez, viens. Yes. L'entrée est écrite dans la encyclopédie les alphas bleus. Oula. Viens. Je vais te buter. Viens s'il te plaît, sors de l'eau. Merci. Voilà. Non mais pas dans l'eau. Mais non. C'est une blague là. Ok, y a pas le choix. Au bout d'un moment, dans la gueule. Bon, on a un truc à la con là, une épée de voyageur qu'on va tenter de finir celui. Allez! C'est en train de me trigger là. T'as de la chance, mon gars. C'est bon, là? Tu vas te calmer ou encore? C'est bon, on a réussi, oh. Queue de l'Ethalphos. La vigueur qui contient à animer cette queue une fois coupée en fait un ingrédient très recherché pour qui veut préparer des remèdes. Ok. Hellebarde chevalier. Par contre, toi, Hellebarde, je veux te prendre. Je vais te mettre un petit peu plus haut, par contre. Voilà, pour te prendre en photo, ça serait le top de chez top. Ça serait le top de chez top. Donc on va carrément déposer l'hellebarde là. Ouais, je sais qu'après on va s'arrêter là, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est juste que là, je suis également en train de galérer de mon côté. Toi, tu dégages. Non, un peu plus haut. Voilà. Stop, pas bouger. Ah mais non, mais là elle est mal tournée. Donc comment je pourrais la reconnaître si je la cherche? Ah voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est propre. Ouais, c'est propre mais j'arrive pas à l'avoir entièrement dans le cadre. Donc c'est propre mais moyen quoi. Oh, c'est bon. Si je vais pouvoir avoir l'entièreté dans le cadre. Allez, c'est parti. L'entrée est écrite dans l'encyclopédie et le barde de chevalier. Bien.
Allez go, on va pouvoir s'arrêter là. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 111. Par contre, je vais juste casser ça de loin. Voilà. Numéro 111, on va quand même lire, comme on fait d'habitude, les photos. Hein. Voilà, donc on va lire les photos comme on fait à son habitude. Déjà, en termes de monstres. Monstre pas de nouveau ici, pas de nouveau là, pas de nouveau. Ah si, là il y a un petit crabe armo. On dit que sa chair contient des nutriments qui rendent sa carapace plus solide que celle des autres crabes. Cuisinez-le pour que votre préparation augmente la défense. Habitat principal, mer de Nekluda et est de Nekluda, énergie vitale restaurée, un cœur, effet une fois cuisiné, défense plus. Ok. Ensuite, est-ce qu'on en a d'autres? Non, on n'a pas d'autres animaux. Donc en termes de monstres... ok. Ah, les alphos bleus. Monstre lézard qui vif et sournois, présent sur tout le territoire d'Hyrule. Comparé aux les alphos verts, ce spécimen est beaucoup plus robuste et souvent bien mieux équipé. Habitat principal, confet de Damanta, désert Gerudo, matériaux récupérables, cornes de les alphos, griffes de les alphos et queue de les alphos. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non, pas ici. En termes de matériaux, il n'y a rien du tout. En termes d'armes, il y a bien forcément quelque chose, j'imagine. Ici en tout cas. Ici, hellebarde de chevalier. Cette lance surmontée d'un fer de hache et d'un crochet conçu pour les chevaliers rompus au maniement des armes aurait été souvent utilisée lors des combats à cheval. Principaux lieux de disponibilité, confet de Damanta, désir Gerudo, efficacité 13. Ok. Draco et Pieux Boko. Redoublez de prudence si vous tombez sur ce Bokoblin équipé de cette arme conçue pour que les dents de la mâchoire attachées au fer s'enfoncent dans la chair de l'ennemi. Principaux lieux de disponibilité, mer de Nekluda, colline d'Hyrule, efficacité 12. Et ok, je crois que nous n'avons plus rien, hein. Il me semble. Ouais, nous n'avons plus rien. Et ça, logiquement, je crois qu'on l'avait déjà récupéré en photo. Est-ce qu'il le détecte au niveau des photos? Ouais, il le détecte au niveau des photos. Et donc du coup, ben, les amis, merci de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve du coup très prochainement pour l'épisode 112, hein, dans lequel du coup on continuera d'explorer le contour des mers. Si je vais quand même voir un petit peu la carte un petit peu pour savoir où sont les coffres précisément ici, parce que vous vous en doutez qu'on va pas quand même explorer tout ça, c'est pas possible, hein, honnêtement c'est pas négligeable. Donc j'irai voir du coup le nombre de coffres qu'il y a autour, hein, avant le chemin, pour savoir un petit peu où ils sont situés principalement. Il y a l'île toute seule également, sachant qu'il y a ça également à explorer, donc il faudra aller également plus tard. Il y a bien, à mon avis, un radeau à quelque part pour y arriver, parce que là, comment voulez-vous y arriver à part se jeter tout là-haut et atterrir ici? Je n'en sais rien, mais... Oh, il y a une autre... Elle est affichée sur la carte, celle-là? Il n'y a rien qui est affiché... Ah non, c'est peut-être pour celle-là, c'est peut-être pour cette... case-là. Ok. Parce que j'allais dire, il n'y a rien qui est affiché, quoi. Et donc, du coup, oui, comme ça, au moins, vous êtes un petit peu au courant. Et donc, on se dit, du coup, à la fois prochaine pour l'épisode 112. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Hey, peace. On va pouvoir s'arrêter sur cette magnifique vue remplie d'oiseaux migrateurs derrière. J'ai l'impression que c'est vraiment des oiseaux migrateurs. On peut même pas les... Je pense qu'on pourra peut-être les prendre en photo. Un ou deux ou plusieurs. Donc, ouais, on ira les prendre en photo quand on se rapprochera d'ici, parce que... Il y en a vraiment énormément.